Bonjour, aujourd'hui je vous propose des boulettes petit trésor. Donc pour les faire, il vous faut 500 g de farce de poulet, 5 cuillères à soupe de farine, 5 cuillères à soupe de chapelure, 15 cl de lait, un oignon haché, 3 g de sel, il vous faut 2 cuillères à café de coriandre en poudre et 2 morceaux de pain. Alors, il vous faut 3 œufs et 6 vaches qui rient aussi. Là, vous mettez le pain à mouiller dans le lait. Donc voilà les vaches qui rient qui sont arrivées. Un petit récapitulatif. Donc, quand le pain s'est bien imbibé du lait, on le met de côté. Nous allons mettre les oignons avec la farce. Nous allons rajouter les 3 g de sel, les 2 cuillères à café de coriandre. Là, nous allons casser un œuf dedans. Quand l'œuf est cassé, nous allons rajouter le pain qui est imbibé de lait. Voilà. Et là, nous allons malaxer. Donc, quand tout est bien malaxé, voilà. Nous allons casser les œufs et les battre en omelette dans la petite assiette. Couper les fromages en petits bouts. Donc, voilà, c'est fait. Là, nous allons mettre dans la chapelure la farine. Nous allons mélanger. Alors c'est assez facile, assez rapide à faire, normalement. Donc quand tout est fait, nous reprenons notre farce qui a été faite. Là, je vais vous montrer comment faire une boulette. Donc vous mettez un peu de boulette dans votre main, vous roulez, vous faites un petit trou au milieu et vous allez mettre 2 morceaux de fromage dedans. Nous allons refermer la boulette. Donc on roule et là nous allons la passer dans l'œuf qui a été battu, donc vous la passez et nous la passons directement dans la chapelure et farine. Donc on la roule bien, voilà, on la recouvre, on la roule bien et voilà, notre boulette est faite. Donc là, quand les boulettes sont faites, nous faisons cuire, du moins, nous faisons chauffer la casserole d'huile et nous allons les mettre pendant 3 minutes à cuire dedans. Donc voilà, quand elle est bien chaude, nous plongeons les boulettes dedans, 3 minutes et c'est bon. Les voilà cuites et... Et après, vous les salez un petit peu. Vous les servez avec des petits légumes, c'est super. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez surtout. Merci.